إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Louange à Allah, le Créateur des cieux et de la terre, on le loue tout ce qu'il nous accorde comme bien, comme grâce, on lui demande de prier sur son prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. Mettre en garde contre les égarés, égareurs est une obligation pour celui qui en a les capacités. Surtout lorsque les égarements de ces égarés, égareurs conduisent à la mécréance. Ou sont de la mécréance, comme les égarements de Jeff J. Jaafar. Cet homme égare énormément de gens sur TikTok, avec pratiquement 1 million de suiveurs. C'est vrai que ce n'est pas tous ceux qui s'abonnent à un compte qui sont forcément d'accord avec celui qui leur propose du contenu dans ce compte, au niveau de sa croyance. Mais avec 1 million d'abonnés, on peut estimer qu'une grande partie ou la majorité de ses abonnés le suivent dans cette mécréance qu'il propage. Il convient donc de mettre en garde contre cet homme car il égare les gens. Ce qu'il faut déjà comprendre, c'est que cet homme ne croit pas au hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pour lui, tout ce qui est hadith est faux. Il faut uniquement suivre le Coran. Vous l'avez compris, c'est un coraniste, comme on le dit. Ceux qui rejettent la sunna et prétendent suivre uniquement le Coran. Or, ce sont des menteurs. Car en réalité, ils ne suivent même pas le Coran. Ils suivent plutôt leur passion. Étant donné que dans le Coran, on demande de suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète nous a laissé des enseignements. Ce sont ces enseignements-là qui ont été rapportés et recueillis dans des livres. D'ailleurs, on va voir que Jeff J. lui-même nous élucide sur ce point. Et j'avais déjà fait une réfutation détaillée sur cette secte, donc les coranistes. Dans les fondements de la sunna de l'imam Ahmed. Lorsqu'on a expliqué les fondements de la sunna de l'imam Ahmed, on a fait une réfutation détaillée, n'est-ce pas, des ambiguïtés de cette secte, donc les coranistes. Donc pour ceux qui veulent, n'est-ce pas, écouter les réfutations sur cette secte-là, vous pouvez écouter l'audio 12, l'audio 13, l'audio 14, et l'audio 15, donc 4 audios au total sur cette secte, donc les coranistes. Vous voyez, l'audio 12 s'intitule « L'obligation de suivre la sunna et réfutation aux coranistes ». L'audio 13 « Réfutation des ambiguïtés des coranistes ». L'audio 14 « Réfutation des ambiguïtés des coranistes ». L'audio 15 « Réfutation des ambiguïtés des coranistes ». Donc si vous écrivez ça sur YouTube, ou même dans la chaîne Telegram, à barre de recherche, vous allez retrouver ces audios-là. Donc, lorsqu'on a fait l'explication des fondements de la sunna, on a réfuté cette secte. Les ambiguïtés qu'ils ont, on a réfuté ça là-bas. Donc, on ne va pas revenir en détail, ou du moins, on ne va pas revenir sur les ambiguïtés, n'est-ce pas, ou les réfutations des ambiguïtés de cette secte dans cette série de réfutations. Peut-être, n'est-ce pas, quelques-unes, donc parmi les ambiguïtés. Ensuite, il faut savoir que lorsqu'on nomme ceux-là, donc ceux qui prétendent suivre uniquement le Coran, lorsqu'on nomme ceux-là coranistes, ce n'est pas un éloge envers eux. Ok? Car prétendre suivre uniquement le Coran sans la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est un égarement évident. C'est un égarement évident. C'est comme les salafs lorsqu'ils parlaient des qadariyya. Croire au qadar, c'est une bonne chose. Mais il faut avoir la bonne croyance
vis-à-vis de cela. Vous voyez? Donc, ils se sont égarés dans ce bab. Ils ont été appelés Qadariya, les takfiri, faire le takfir avec droit et légiférer. Mais comme ceux-là se sont égarés dans le chapitre du takfir, ils ont exagéré dans le takfir. Ils font le takfir de manière injuste. Ils ont été appelés takfiri. Vous voyez? Ils font le takfir sans droit. Ils ont été appelés takfiri. Donc de même, les coranistes, ce sont des égarés au sujet de la croyance vis-à-vis du Coran. Ils ont prétendu ne suivre que le Coran. Vous voyez? Ils ont été appelés coranistes. Mais en réalité, ils ne suivent pas le Coran. Bref, revenons, n'est-ce pas, sur le cas de Jeff J. 223. Nous allons ici réfuter quelques-uns de ces égarements, sachant qu'il y en a beaucoup. On n'a pas suffisamment de temps pour réfuter tout ça, mais nous allons réfuter ici quelques égarements qui vont vous montrer déjà clairement que cet homme est un perdu. Alors, premièrement, il faut savoir qu'en plus d'être coraniste, Jeff J. est un takfiri khariji, car il fait le takfir des gens de la sunna, des salafis, alors qu'ils n'ont commis aucune mécréance. Mais selon lui, ils sont dans la mécréance. Écoutons ce qu'il nous dit ici. Ces gens-là, c'est des satans. Leurs imams sont maudits. Et ils sont maudits aussi également, parce que Allah les a maudits même dans le Coran. Parce que non seulement même le prophète, ils n'ont pas laissé le prophète. Est-ce que moi je suis petit dans ça? C'est qu'ils ont traité le prophète comme quelqu'un qui a été ensorcelé. Les mécréants, la manière dont les mécréants disent que le prophète est devenu fou, et ils ont dit la même chose. La manière dont les gens qui sont pas musulmans, ils ont dit que le prophète a été pédophile, et ils ont dit oui, les sunnites des salafis. Ces gens, ce sont des mécréants, c'est des associataires, ne le suivez pas. Si vous le suivez, leurs imams, ils vont vous diriger direct en enfer. Prenez soin de vous et à bientôt, Inch'Allah ta'ala, dès que TikTok laisse mon compte. Ça, ça me fait plaisir parce que ça me montre que le message que moi je donne, ça fait mal. Donc là, prenez soin de vous, hein. Suivez mon compte, Inch'Allah ta'ala. Prenez soin de vous. Barakallahu fikum. Ila liqa. Il nous dit donc qu'Allah a maudit les gens de la sunna, les salafis. Nous disons que tu es un menteur. Nulle part, Allah n'a maudit les gens de la sunna. Cela vient de ton imagination défectueuse et de ton suivi des passions. Tu ne peux pas citer un seul verset du Coran stipulant que les gens de la sunna sont maudits. Tu es un kazab. C'est toi le shaytan. Tu es un shaytan parmi les shayatin il-ins. Concernant le sujet de l'ensorcellement du prophète, on y reviendra. On va réfuter tes ambiguïtés sur ce sujet-là. Sachant que j'avais déjà fait une réfutation détaillée sur ce sujet-là lorsque j'ai réfuté Hassan et Hussein. Pour ceux qui veulent, ils peuvent retrouver la réfutation sur ce sujet-là dans la chaîne Telegram ou bien sur YouTube. Tu n'as aucun argument dans cela pour justifier ce que tu racontes. Allah a-t-il dit dans le Coran qu'il est impossible qu'un prophète soit ensorcelé? As-tu un seul verset justifiant cela? Il n'y a-t-il pas dans le Coran ce qui prouve que des prophètes même ont été tués ou sont tombés malades? Cela remet-il en cause leur prophétie? Et l'ensorcellement dont tu parles a duré combien de temps? Et c'était sur quoi exactement? Sur quel aspect? Parce que on peut être ensorcelé juste sur un point précis. Quelqu'un, par exemple, a été ensorcelé, ok? Dans le sens où il se sent toujours fatigué. Donc, on lui a fait un sihr, ok? Ce sihr-là, c'est quoi? C'est sur le fait qu'il se sent toujours fatigué. Ok? C'est ça l'influence du sihr-là. Il se sent toujours fatigué. Bas.
Cela ne remet pas en cause sa capacité de réflexion. Est-ce que vous suivez? La sorcellerie peut être, n'est-ce pas, elle peut atteindre quelqu'un sur un aspect précis, sur une chose précise. Être ensorcelé ne signifie pas forcément qu'on est devenu fou, qu'on ne comprend plus, n'est-ce pas, ce qu'on dit, etc. Non. La sorcellerie, n'est-ce pas, c'est quelque chose de général. On peut ensorceler quelqu'un dans un point précis. OK? Donc, au sujet du prophète, c'était sur quoi exactement? C'était sur quoi exactement? Il faut expliquer et détailler. Et il se peut que parmi les sagesses même, c'est pour réfuter ceux qui nient l'existence de la sorcellerie. Aujourd'hui, il y a des gens qui vont te dire « la sorcellerie n'existe pas ». Vous voyez? Il se peut aussi que parmi les sagesses, n'est-ce pas, le fait de montrer que même si on est pieux, même si on est pieux, on peut être atteint de sorcellerie. Où est l'ishkal dans ça? Où est l'ishkal? Le prophète Moussa alayhi salam n'a-t-il pas subi l'influence d'une sorcellerie dans le Coran? Toi qui prétends suivre uniquement le Coran, donc tu n'as rien compris. Et qu'entends-tu par ensorcellement? Bref, on y reviendra en détail. Lorsque tu prétends que les gens de la Sunna ont traité le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de fou, ceci est un gros mensonge qui a deux cornes. Les gens de la Sunna n'ont jamais dit cela. Ils n'ont jamais dit que le prophète était fou. Ils n'ont jamais dit cela. Tu mélanges et confonds les réalités. En plus, tu n'as pas honte de mentir. Tu dis, ils ont traité le prophète de pédophile, menteur. Il y en a déjà réfuté cela. Quant au fait de traiter les gens de la Sunna de mécréants, ceci n'est rien d'autre qu'un pur mensonge en plus du précédent. Qui est réellement mécréant entre les gens de la Sunna et les coranistes? Ceux qui suivent le Coran et la Sunna, ou ceux qui refusent de suivre le prophète en réalité et prétendent suivre uniquement le Coran, qu'ils ne suivent pas d'ailleurs? Qui est réellement mécréant? Ceux-là qui suivent le Coran et les enseignements du prophète, donc la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est mécréant entre ceux-là et ceux-là qui refusent de suivre en réalité les enseignements du prophète, prétendant ne suivre que le Coran? Prétendant ne suivre que le Coran. Ce sont les gens comme toi qui dirigent les gens directement en enfer, pas les gens de la sunna. Tu dis, ça te fait plaisir, le fait que les gens signalent tes lives ou ton compte. Car ça te prouve que ton message fait mal. Mais tu es vraiment dans l'ignorance. Est-ce que tout message qui fait mal est un bon message? Tu devrais plutôt te remettre en question. Pourquoi ne te dis-tu pas? Pourquoi ne te dis-tu pas que peut-être c'est moi qui suis en erreur? Crois-tu qu'un chrétien qui appelle les gens au christianisme et qui demande aux musulmans de délaisser l'islam en propageant des ambiguïtés, crois-tu que son message fait plaisir aux musulmans qui souhaitent la guider des chrétiens, surtout s'ils ont des parents chrétiens qui suivent ce chrétien-là? Si cela leur fait mal, cela prouve-t-il que le message du chrétien est un bon message dont ils devraient s'en réjouir? Si des gens signalent tes lives ou ton compte, en réalité, c'est parce que tu égares les gens. Tu es un égaré égareur. Alors, toujours dans le contexte du takfir, pour vous montrer que cet homme, en plus d'être coraniste, est un khariji takfiri, qui ne comprend même pas les réalités de la mécréance, il dit ceci. Aujourd'hui, Inch'Allah, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment Allah traite les sunnites et les salafis et les wahhabis et les shia dans le Coran.
D'abord, ils les traitent comme des associataires. Et c'est la vérité. Parce qu'ils prennent leur oustaz comme Dieu. C'est-à-dire, toi, en tant que musulman, si tu dis Allah a dit dans le Coran, ils ont dit que notre oustaz aussi a dit. Si tu dis Allah a dit dans le Coran, tout ce qui est interdit, il a dit, notre imam aussi a dit. Donc, ça veut dire que leur imam, ils comparent à leur imam à Dieu. C'est pour ça qu'Allah les traite comme des associataires. Allah n'a pas fini. Il les traite comme des animaux dans Sourate 7, verset 179. Il les traite aussi comme un âne dans Sourate 62, verset 5. On va vous citer. Et le prophète est loin d'eux dans Sourate 6, verset 159. Allons-y. Voilà. Alors, j'espère que vous allez bien. Vous avez passé une très belle journée. Allah subhanahu wa ta'ala dit d'abord dans Sourate 47, verset 23. Sourate Muhammad. Il a dit, Afala yatadabbaruna al-Qur'an, ne médite-t-il pas sur le Coran, am ala qulubin akhfaluha, ou y a-t-il des cadenas sur leur cœur? Allah est en train de dire, pourquoi ils ne méditent pas sur le Coran? Ou dans leur cœur là, il y a des cadenas, c'est-à-dire c'est fermé, ils ne peuvent pas réfléchir. C'est pour cela Allah nous dit aussi également, comme Allah les traite, c'est-à-dire Allah dit que est-ce que dans leur cœur des sunnites et des salafis là, au lieu de réfléchir sur le Coran, non, ils se réfléchissent sur leurs livres qui n'ont aucune utilité. Bukhari, Muslim, Fatawa, nanani, nanana. Ils ont quoi dans leur cœur même là? C'est fermé avec les cadenas ou qu'est-ce qui se passe? Ils n'arrivent pas à réfléchir. C'est pour cela qu'Allah a dit dans Sourate 7, verset 179, il a dit, on a vraiment destiné à l'enfer parmi les djinns et les êtres humains. Ils ont le cœur qui n'arrive pas à comprendre le Coran. Ils ont des yeux, ils voient le verset d'Allah, mais ils n'y croient pas, ils voient rien du tout. Ils ont des oreilles, mais ils n'arrivent pas, rien ne rentre, le verset coranique, ça rentre, ça sort. Allah dit, ils sont comme des animaux, c'est pour ça que j'ai dit qu'Allah les traite comme des animaux. Quand le verset d'Allah te récite et que tu crois à un autre, c'est comme s'il y a des oreilles qui n'entendent rien. Allah les traite comme des animaux. Hein? Allah n'a pas fini. Il les traite comme un âne aussi également. Dans Sourate 70, verset 5. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Masalul lezina humilu tawrata summa lam yahmiluha kamasalil himari la yahmilu asfara. Allah dit, ceux qui sont chargés des Torah, c'est-à-dire Allah a descendu la Torah pour qu'ils appliquent et n'ont pas appliqué, ils sont semblables à un âne. Un âne, comme si un âne pas en train de marcher, quand tu mets même 1 million de livres, il ne comprend pas. Ça lui sert à rien. C'est comme ces gens-là. Allah les a donné le Coran, mais non, ils ont délaissé le Coran, ils se sont appliqués quoi? Un autre livre. C'est comme si le Coran a été donné, mais ça sert à rien. La parole d'Allah ne sert à rien devant eux. Ce qui les intéresse, c'est des livres et stupides. C'est cela. Allah les traite comme des animaux, comme un âne. Il n'a pas fini. Il les a traités comme des mouchriks aussi également, des associateurs. Pourquoi Allah les a traités des associateurs? Parce que quand tu lis dans le Coran, que Allah a tout cité, ce qui est interdit, il dit non. Abu Hanifa a dit là-bas, Malik a dit là-bas, Bukhari a dit là-bas. Donc il dit aussi, donc Allah, toi tu peux interdire, mais il y a un autre être humain aussi qui peut interdire. Donc il associe un être humain à Dieu. Donc la parole d'Allah, Allah peut interdire, un être humain aussi peut interdire. Donc Allah les a traités comme des associateurs dans Sourate Rum, Sourate 30, verset 31-32. Allah nous met en garde, nous les musulmans. Nous qui suivons le Coran, Allah nous met en garde. Il a dit, Wala takunu min al-mushrikin, ne soyez pas comme des associateurs. Min al-lazina farraqu dinahum, ils ont divisé leur religion. Wa kanu shi'an, ils ont devenu des sectes. Wala takunu min al-mushrikin, min al-lazina farraqu dinahum, wa kanu shi'an, kullu hizbin mima ladayhim farihun. Tout le monde en train est content de son groupe. Le sunnite disant, nous sommes des meilleurs. Et les chiens, nous sommes des meilleurs, wahhabistes, nous sommes des meilleurs. Tout le monde est content de son appartenance, de son secte. Allah dit, ne soyez pas nous qui suivons le Coran. Il faut pas qu'on soit comme ces gens-là. Ce sont des associateurs. Parce que ce que l'imam a dit, il croit. Ce qu'Allah a dit, il laisse. Même si tu dis, Allah a dit, oh, non, 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 si c'est pas ces imams-là, tu peux pas comprendre la parole de Dieu. C'est ça, ils sont toqués. Allah les a traités comme des animaux. Parce que rien ne rentre dans le cerveau. Vous voyez. Allah les a traités comme des animaux. Il les a traités comme un âne. Il les a traités aussi également comme des associataires. Et le prophète est loin de Yom al-Qiyamah. Parce que qu'est-ce que le prophète dirait Yom al-Qiyamah? C'est Sourate 25, verset 30. Allah a dit, Yom al-Qiyamah, le prophète dira, قال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. Oh Allah, mon Seigneur,
Ma communauté, là, ils ont délaissé ce livre-là. Ils se sont suivis un autre livre. Et dans Sourate 6, pour finir, verset 159, Allah subhanahu wa dit, Minallezina farraqu dinahum wa kanu shi'am. Ceux qui ont divisé et émietté leur religion, Allah a dit au prophète, Lesta minhum fi shay. Toi, tu n'es pas avec eux sur rien du tout. C'est-à-dire, tu n'es pas avec ces gens-là. Wa amruhum ila Allah, c'est-à-dire leur sort là dépend Allah. Allah va les informer yom al qiyamati. Ne soyez pas sunnite, ne soyez pas chiite, ne soyez pas wahhabite. Ces gens-là, ils sont en enfer parce qu'un associateur, Allah subhanahu wa ta'ala dit, il pardonne tous les péchés sauf un associateur. Un associateur, c'est pas quelqu'un qui adore des statues, mais quelqu'un qui adore un être humain aussi comme un dieu. La parole d'un savant ne peut pas être la parole d'Allah. Un savant peut se tromper, Allah ne se trompe jamais. Ne soyez pas des animaux. Ne soyez pas des animaux comme Allah a dit. Prenez soin de vous. À demain, inshallah, dans le live. Je vais continuer à vous expliquer le reste. Barakallahu fikum ila al-liqa wa salatu wa salamu ala man la nabiyya ba'da ila al-liqa. Alors, tu as menti lorsque tu dis qu'Allah traite les sunnites, les salafis et ceux que tu appelles wahhabites associateurs. Il n'y a aucune preuve dans le Coran justifiant cela. Dire que les sunnites, les salafis ou ceux que tu appelles wahhabites prennent leurs enseignants ou shuyur comme étant Allah ou bien une divinité, ceci est un mensonge. Celui qui prend un savant ou un oustaz ou un cheikh comme étant Allah ou une divinité est un mécréant sans aucun doute. Aucun salafi ou sunnite n'a fait cela. Le problème, c'est que tu ne comprends pas la réalité de la mécréance. Ensuite, ton argument pour justifier qu'ils ont pris leurs enseignants comme étant Allah ou divinité, c'est quoi? Tu dis, si tu dis Allah a dit, ils disent notre oustaz aussi a dit. Tout d'abord, qui sont ceux qui disent cela? Les salafis et les gens de la sunna qui ont été éduqués au suivi des preuves ne disent pas une telle parole. Et même si on suppose que certains salafis ou certains parmi les gens de la sunna le disent, tu n'as pas à généraliser. Oui, tu peux trouver certaines personnes, lorsque tu leur dis « Allah a dit » ou même « le prophète a dit », ils te disent « tel cheikh a dit ceci, tel imam a dit ceci, l'imam Malik a dit ceci, l'imam Ahmed a dit cela ». Mais est-ce que cela constitue une mécréance? Non. Car ils ne veulent pas ici opposer la parole de l'imam, du savant, de leur oustaz à celle d'Allah. C'est juste qu'ils remettent en cause ta compréhension de la parole d'Allah. Ils remettent en cause quoi? Ta compréhension de la parole d'Allah. Ou la sentence que tu en déduis. Ils émettent des doutes, car ils estiment que le savant, le cheikh, l'imam, ou bien leur oustaz, connaît plus que toi. Il connaît plus que toi. Pour eux, il doit connaître ce verset, ce hadith. Il ne l'a pas compris comme toi. Il ne l'a pas compris comme toi tu as compris. Donc, s'il a donné une sentence autre que celle que tu as déduite ou autre que celle qui est apparente du verset, cela veut dire qu'il a un argument qui t'a échappé. Il y a quelque chose qui t'a échappé. C'est le problème qui est là. Ce n'est pas du tout une mécréance. Et le cher Ibn Uthaymeen avait fait allusion à ce problème. J'avais déjà traduit sa parole par rapport à cela, je vais vous la lire rapidement. Il dit quoi ici? Le cheikh Ibn Uthaymeen nous dit, attendez que je retrouve rapidement la parole, il dit, est-ce que le fanatisme pour les imams et le fait de faire précéder leurs paroles sur celles du messager d'Allah atteignent-ils le degré de la mécréance?
Est-ce que vous suivez? Le cher Ibn Uthaymin répond, il dit, non, cela n'atteint pas le stade de la mécréance, car la plupart de ceux qui se fanatisent pour les imams sont des ignorants, le commun des musulmans. Car tu trouveras qu'ils se fanatisent pour cet imam, pas parce qu'il le fait précéder sur le messager, mais il dira, c'est parce que l'imam connaît plus que toi. Ah, écoutez bien. Mais il dira, c'est parce que l'imam connaît plus que toi. Il se peut que tu ignores des hadiths que l'imam n'ignore pas. La plupart de ce qu'il cite comme argument, c'est ça. Il te dira, est-ce que tu connais plus que l'imam Ahmed ibn Hanbal? Si tu dis oui, alors malheur à toi. Si tu dis non, il dira, donc tu as affirmé de toi-même que tu as plus de manquements que lui. Il est alors plus savant que toi. Ça, c'est l'explication de Nouniya, du cher Ibn Uthaymin, tome 4, page 23. Est-ce que vous suivez? Donc, lorsque tu dis, Allah a dit, le prophète a dit, celui-là qui te dit, tel savant a dit, tel imam a dit, notre oustaz a dit, il ne veut pas ici opposer la parole d'Allah, n'est-ce pas, à la parole de l'imam, de son oustaz. Il ne veut pas dire ici que son imam, son oustaz, a le droit de légiférer dans la religion. Non. Mais il estime que son oustaz, son imam, connaît plus que toi. Donc, quand toi tu dis « Allah a dit », ok, lui, il te dit « Notre oustaz a dit ». Pour dire quoi? Pour dire en fait que ce que tu es en train de dire là, ce n'est pas comme ça qu'il faut comprendre ça. Parce que celui qui connaît plus que toi, il a dit le contraire de ce que tu es en train de dire là. Et comme il connaît plus que toi, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui t'a échappé. Est-ce que vous voyez? C'est ça en fait. Mais ce n'est pas pour dire qu'il n'y a pas un musulman qui va dire si la parole d'un tel s'oppose à la parole d'Allah, on laisse la parole d'Allah, on doit suivre la parole de celui-là. On ne doit pas suivre la parole d'Allah. Parce que Allah a dit là-bas, ce n'est pas ça la vérité. Un musulman peut dire ça? Un musulman peut avoir cette croyance-là? Vous voyez? Donc, ce n'est pas ça. Donc, lorsque tu dis non, ce sont des associateurs ou des mécréants. Ton dalil. Parce que quand tu dis, Allah a dit, il te dit, l'imam a dit. Mais il ne veut pas dire ici que la parole d'Allah, on ne doit pas suivre ça. Non, c'est ta compréhension, toi ta compréhension de la parole d'Allah. Est-ce que cette compréhension-là est bonne? Quand tu viens, tu dis, Allah a dit. Ok, comment tu as compris ça? C'est là le problème. Donc, ce n'est pas une mécréance. Mais celui-là qui va croire qu'on ne doit pas suivre la parole d'Allah. Il dit donc qu'on ne doit pas suivre la parole d'Allah. Ce n'est pas permis de suivre la parole d'Allah. Ce qu'Allah a dit est faux. Ce qui est vrai, c'est ce que l'imam dit. C'est ce que l'oustaz dit. Ça, c'est un mécréant. C'est un mécréant. Ok? Mais nous disons que ce comportement n'est pas juste. Donc, même si nous disons que ce n'est pas du tout une mécréance, donc le fait de dire, lorsqu'on te dit, Allah a dit, le prophète a dit, tu dis, tel savant a dit, tel imam a dit, même si on dit que ce n'est pas du tout une mécréance, ok, par rapport à ce que la personne vise, ok, donc même si on dit que ce n'est pas une mécréance, mais ce comportement n'est pas un comportement qui est juste, ok, le savant n'est pas infaillible. Si les savants ont divergé sur un sujet, tel savant a soutenu tel avis sur base de tel ou tel verset ou hadith, et on t'apporte la preuve. L'autre savant, on n'a pas son argument. On a juste son avis. Tu n'as pas le droit, n'est-ce pas, de délaisser la preuve qui est soutenue par un groupe de savants pour t'accrocher à la parole d'un savant dont tu ignores la preuve. Il se peut que la preuve ne lui est pas parvenue. Si c'est un hadith, par exemple, ou il a mal interprété le texte, ou il s'est basé sur un texte faible pour donner son avis, etc. Vous voyez. Donc, tu ne dois pas délaisser ce dont tu as connaissance,
poursuivre ce dont tu n'as pas connaissance, en disant non, peut-être que le savant là a une preuve, donc je suis son avis. Non. Ok? Car comme on a dit, le savant n'est pas du tout infaillible. Il peut se baser sur une preuve qui est quoi? Faible. Vous voyez? Il peut se baser sur une preuve qui est faible. Il se peut qu'il a mal interprété, n'est-ce pas, le texte. Et le cheikh al-Islam, Ibn Taymiyyah, a clarifié ce problème. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit dans le Majmu' al-Fatawa, au tome 20, page 250 à 251. Il dit: وفي كثير من الأحاديث يجوز أن يكون للعالم حجة في ترك العمل بالحديث لم نطلع نحن عليها فإن مدارك العلم واسعة ولم نطلع نحن على جميع ما في بواطن العلماء والعالم قد يبدي حجته وقد لا يبديها وإذا أبداها فقد تبلغنا وقد لا تبلغ وإذا بلغتنا فقد ندرك موضع احتجاجه وقد لا ندركه سواء كانت الحجة صوابا في نفس الأمر أم لا لكن نحن وإن جوزنا هذا فلا يجوز لنا أن نعدل عن قول ظهرت حجته بحديث صحيح وافقه طائفة من أهل العلم إلى قول آخر قاله عالم يجوز أن يكون معه ما يدفع به هذه الحجة وإن كان أعلم إذ تطرق الخطأ إلى آراء العلماء إلى آراء العلماء أكثر من تطرقه إلى الأدلة الشرعية فإن الأدلة الشرعية حجة الله على جميع عباده بخلاف رأي العالم والدليل الشرعي يمتنع أن يكون خطأ إذا لم يعارضه دليل آخر ورأي العالم ليس كذلك ولو كان العمل بهذا التجويز جائزا لما بقي في أيدينا شيء من الأدلة التي يجوز فيها مثل هذا لكن الغرض أنه في نفسه قد يكون معذورا في تركه له ونحن معذورون في تركنا لهذا الترك. Le cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah nous dit ceci. Dans de nombreux ahadiths, il se peut que le savant ait un argument qui est la raison de son délaissement d'un hadith, mais dont nous n'avons pas connaissance. La science est vaste, à tel point que nous n'avons pas connaissance du fond des savants. Donc ce qu'ils voient comme argument, qu'on ignore. Le savant peut exposer son argument comme il peut ne pas le faire. Et quand bien même il expose, il se peut qu'il nous parvienne, comme il se peut qu'il ne nous parvienne pas. Donc l'argument là. Donc le cheikh al-Islam nous fait comprendre que le savant peut citer son argument comme il peut ne pas le citer. S'il le cite aussi, cet argument peut nous parvenir comme il peut ne pas nous parvenir. Donc on ne sait pas. Il s'est basé sur quoi pour donner son avis là? Le cheikh al-Islam dit: et quand bien même il expose, il se peut qu'il nous parvienne comme il se peut qu'il ne nous parvienne pas. Et dans le cas où son argument nous parvient, il se peut qu'on comprenne l'aspect argumentatif qu'il en fait, il se peut qu'on ne le comprenne pas. Donc l'endroit de son argumentation. Ok? Donc même s'il cite son dalil, il se peut qu'on comprenne l'aspect argumentatif, il se peut que non. Ok? Le cheikh al-Islam dit que l'argument soit correct en réalité ou non,
Donc, même si son argument ne tient pas, ok, il se peut qu'on comprenne l'aspect argumentatif. Donc, comment il a déduit, n'est-ce pas, ce qu'il a eu à dire de ce texte? C'est quoi l'aspect argumentatif? Donc, on peut comprendre l'aspect argumentatif comme on peut ne pas le comprendre. Le cheikh l'islam dit que l'argument soit correct en réalité ou non. Ok? Il dit cependant, intabihu, le cheikh l'islam dit cependant, même si nous jugeons concevable ce qui précède, il ne nous est pas permis de délaisser une parole dont l'argument est apparu dans un hadith authentique et dont un groupe de gens de science est en accord, donc avec, pour une autre parole dite par un savant susceptible d'avoir avec lui ceux qui réfutent cet argument, même s'il est plus savant. Donc le cheikh ou l'islam veut dire quoi? Il veut dire en fait, même si on conçoit qu'un savant peut, n'est-ce pas, mentionner son avis et il s'est basé sur une preuve, ok? Mais cette preuve-là ne nous est pas parvenue, par exemple. Le cheikh ou l'islam dit, même si on conçoit ça, ok? Même si on conçoit cela, il n'est pas permis de délaisser ce dont on a connaissance. Donc, on a la preuve, on a le dalil, on laisse ça poursuivre son avis en se basant sur cette hypothèse-là. Non, il a peut-être un argument là-bas qui réfute ce sur quoi on s'est basé. Donc, comme on conçoit cela, donc on va suivre son avis et laisser ce dont on a connaissance. Le cheikh l'islam dit, cela n'est pas permis. On doit suivre ce dont on a connaissance. On ne doit pas suivre, n'est-ce pas, ce dont on n'a pas quoi ? Connaissance. Le cheikh de l'islam continue, il dit, l'erreur se glisse beaucoup plus dans les avis des savants que dans les preuves législatives. Elles sont, donc les preuves législatives, elles sont la preuve d'Allah établie pour l'ensemble de ses serviteurs, contrairement à l'opinion du savant. Les preuves législatives ne peuvent pas être une erreur si aucune autre preuve ne les contredit. Or, ce n'est pas le cas en ce qui concerne l'opinion du savant. Si la pratique, donc je suis toujours en train de lire les propos du cheikh l'islam Ibn Taymiyyah, il dit, si la pratique de cette éventualité était permise, il ne nous resterait plus aucune preuve dont cette éventualité est admise. Ça veut dire quoi? Le cheikh l'islam nous fait comprendre ici que si la pratique de cette éventualité était permise. Donc, le fait de dire qu'on va délaisser ou bien le fait de délaisser le texte, ok, pour suivre l'avis du savant qui est contraire à ce qui est mentionné dans le texte. Car il se peut qu'il ait une preuve. Donc, le cheikh l'islam dit, cette éventualité-là, si mettre cela en pratique, donc délaisser le dalil pour suivre l'avis du savant-là, à cause de cette éventualité-là, si on met cela en pratique, le cheikh l'islam dit, il ne nous resterait plus aucune preuve, il ne nous resterait plus aucune preuve dont cette éventualité est admise. Vous voyez? Parce qu'à chaque fois qu'on aura une preuve et l'avis d'un savant qui est contraire à ce qui est dans cette preuve-là, et donc qu'on conçoit qu'il peut avoir un argument avec lui, ok? Donc à chaque fois qu'il y aura ça, on va faire quoi? On va délaisser la preuve pour suivre l'avis du savant. Parce qu'on va dire, non, peut-être il a un argument qui vient réfuter ce sur quoi on s'est basé. Donc, à cause du peut-être là, allons suivre son avis, on laisse le dalil. On laisse ce dont on a connaissance pour suivre ce dont on n'a pas connaissance. Ça, ce n'est pas permis. Ce n'est pas permis. Allah dit quoi? « Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basar wal fu'ada kullu ula'ika kana anhu mas'oula. » Soit 17, verset 36. Et ne poursuis pas ce dont tu n'as aucune connaissance. Et ne poursuis pas ce dont tu n'as aucune connaissance. Lui, la vue et le cœur, sur tout cela en vérité, on sera interrogé. Vous voyez. Donc, bien qu'on dise effectivement, il y a cette possibilité, le savant, n'est-ce pas, peut avoir son argument, mais du moment où on ignore cela, on n'a pas le droit de délaisser ce dont on a connaissance pour suivre cette hypothèse, de dire que non, peut-être il a son dalil, donc on le suit. Non.
Donc j'espère que c'est clair. Ensuite, ce shaitan-là prétend qu'Allah traite les gens de la sunna, les salafis, comme des animaux. Tout d'abord, ce n'est pas le verset 23 de la sourate 47, mais plutôt le verset 24. Ne médite-t-il pas sur le Coran? Où y a-t-il des cadenas sur leur cœur? Où est-ce qu'on parle des gens de la sunna, des salafis ici? Tu expliques le Coran selon ta passion. Quand tu dis, est-ce que dans leur cœur, des salafis, des sunnites, c'est où dans le verset? L'ajout là, les salafis, hein? Les sunnites, c'est où dans le verset? Hein? C'est où dans le verset? Ça, c'est un ajout de ta part. Tu expliques le Coran comme tu veux en fait. C'est ça en fait. Donc quand tu dis de ne pas suivre la sunna, là, c'est pour expliquer maintenant le Coran selon ta passion. S'il faut même méditer, c'est toi qui ne comprends rien du Coran. On dirait plutôt que c'est ton cœur sur lequel il y a quoi? Un cadenas. Ensuite, dire que les salafis, les gens de la sunna, réfléchissent plutôt sur leurs livres, Al-Bukhari et Muslim, Fatawa, et non sur le Coran, c'est encore un mensonge. Les gens de la sunna, les salafis méditent sur le Coran. Ils réfléchissent. Ils méditent. Ils réfléchissent. De même sur les enseignements du prophète, qui sont une révélation. Ils méditent sur ce qui est profitable. Il suffit de lire les exégèses des gens de la sunna, des salafis. L'exégèse d'Ibn Kathir, Al-Tabari, Al-Sa'di, Fathul Qadir de Shawkani, Adwa'ul Bayan de Shanqiti et bien d'autres. Il suffit de lire ces exégèses-là pour voir qu'ils méditent. Ils comprennent bien le Coran. Mais vous, les coranistes, vous n'avez rien compris du Coran en réalité. Ensuite, Al-Bukhari et Muslim n'ont aucune utilité. Ça, c'est chez toi. Parce que tu es perdu. Vous voyez? Tu es perdu. Ces deux savants-là, Al-Bukhari et Muslim, ces deux savants-là n'ont fait que rassembler ce qui est rapporté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ce sont les paroles du prophète qu'ils ont rapportées. Ok? Ils ont rapporté ce qui est rapporté du prophète. Ce ne sont pas leurs paroles. D'ailleurs, Jeff Jay va nous expliquer la réalité des hadiths. Il va nous expliquer la réalité des hadiths. Vas-y, explique-nous un peu. On t'écoute. Alors, qui nous permet de comprendre le Coran? C'est le prophète, bien sûr. Alors, qui apprend le prophète à comprendre le Coran? Parce qu'ils ont dit que c'est le hadith qui nous permet de comprendre le Coran. Alors, le hadith, là, ça vient d'où? Le prophète. Alors, qui a appris le prophète? C'est Allah. Comment savoir si c'est Allah qui a appris au prophète? Avant que le hadith arrive, parce que vous dites que qala Rasulullah. Avant que le prophète vous donne l'explication, c'est Allah qui apprend le prophète d'abord. C'est quoi le Coran? C'est quoi le zakat? C'est quoi la prière? Si vous nous dites que où est le 4 rakat dans le Coran, qui vous a appris que c'est le 4 rakat? C'est le prophète. Alors, qui a appris le prophète? C'est Allah. Allah a mentionné d'abord la prière dans le Coran pour que le prophète puisse comprendre la prière, pour que vous aussi vous compreniez la prière. Et comment faire le 4 rakat? C'est Allah qui a appris au prophète comment faire le 4 rakat et le prophète vous apprend dans vos hadiths là-bas. Vous comprenez? Donc, comment savoir que c'est Allah qui apprend le prophète à comprendre le zakat et le siyam et tout ce qui va avec? C'est Allah. Il nous dit dans sourate 75, verset 18-19. Il a dit, فَإِذَا قَرَعَنَاهُ si on récite le Coran, فَتَّبِي قُرْعَنَاهُ suis sa récitation, ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَ c'est à partir à nous de te donner l'explication des versets. Donc maintenant, on comprend que vraiment le livre d'Allah, c'est la base.
Tout ce qu'on dit dans le hadith là-bas, ça vient du Coran. Et qui donne l'explication du Coran au prophète Allah. Et le prophète nous donne l'explication. Et ces explications-là qu'ils ont ramassé tout ça, là, ils ont mis dans un livre qu'on s'appelle Al-Ahadith. Donc, Ahadith nous apprend à prier. Mais c'est le prophète qui nous apprend à prier à travers l'enseignement d'Allah. Là, en fait, il voulait démontrer que c'est Allah qui enseigne le prophète. Donc, c'est l'explication d'Allah en réalité. Comme si les gens de la Sunna, les salafis, ont nié cela. Comme s'ils ont nié cela. Au contraire, c'est ce qu'ils disent. Ils disent que la Sunna est une révélation. Vous voyez? Mais dans son explication, il ne s'est pas rendu compte de sa contradiction. Que ce qu'il explique va en totale opposition ou bien va en totale contradiction avec sa croyance. Allah a fait qu'il dise lui-même la vérité sans prendre conscience. Il dit, le Coran, c'est la base. Tout ce qu'on dit dans les hadiths là-bas, ça vient du Coran. Bon, si tel est le cas, pourquoi rejettes-tu les hadiths? Tu es en contradiction. C'est comme ça. Lorsqu'on est dans le faux, on dit une chose et son contraire en même temps. Ensuite, il dit, le prophète nous donne les explications. Et ce sont ces explications-là qu'ils ont mises dans un livre. Ok? Qu'on appelle les ahadiths. Donc, les ahadiths ne nous apprennent pas à prier, mais c'est le prophète. Tu es vraiment un ignorant. Les gens de la Sunna, les salafis, ont-ils dit que ce n'est pas le prophète qui a enseigné la prière pour que tu dises ce que tu dis là? Mais les enseignements du prophète là, les enseignements du prophète là se trouvent où? Dans les ahadiths. Qu'est-ce qui est compliqué à comprendre? C'est comme le Coran. C'est comme le Coran qui est la parole d'Allah. Mais cette parole est où? Dans le Mus'haf. Mais qu'est-ce qui est compliqué à comprendre? Ensuite, concernant le verset 179 de la sourate 7, ce n'est pas lahum azanun la yasma'una bihi. C'est plutôt lahum azanun la yasma'una biha. Lahum azanun la yasma'una biha. Et comme d'habitude, tu expliques les versets du Coran selon ta passion. Qu'est-ce qui empêche quelqu'un d'autre de venir aussi expliquer ce verset selon sa passion et de dire même que ce sont les coranistes qui sont visés ici, dans le verset là. C'est pour cela que les salafis disent qu'il faut comprendre le Coran à la compréhension des pieux prédécesseurs, les premiers musulmans, en commençant par les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui ont assisté à la révélation. Oui, et ça constitue un mur robuste. Un mur. Ça permet de préserver les gens des déviances. Rester sur la compréhension des pieux prédécesseurs et de ceux qui les ont suivis. Parce que s'il faut expliquer le Coran comme on veut, comme on pense, mais chacun va expliquer à sa manière. Et voilà comment on crée des sectes. Et voilà comment on divise la communauté. Il faut revenir à la compréhension des pieux prédécesseurs et de ceux-là qui sont connus pour leur suivi des pieux prédécesseurs. Ceux qui suivent les pieux prédécesseurs. C'est ça. Aujourd'hui, beaucoup de gens s'égarent parce qu'ils comprennent le Coran comme ils veulent, comme tu fais là. Tu prends des versets, tu interprètes ça à ta manière. Tu dis non, ici, là, on parle, n'est-ce pas, des gens de la Sunna, on parle des salafis, etc. Vous voyez? Et tu égares les gens comme ça. Ensuite, quand tu dis que ces gens, c'est-à-dire les salafis, les gens de la Sunna, ont délaissé le Coran, ils ont mis en application ce qui est dans un autre livre. Tu as menti. Où as-tu vu que les salafis, les gens de la Sunna,
ont délaissé le Coran. Parce que les gens de la Sunna, les salafis, ce sont les mêmes personnes. On peut dire les salafis, on peut dire les gens de la Sunna, on peut dire, n'est-ce pas, les gens du Asar, ok? On peut dire les sunnites, tout ça, ce sont les mêmes personnes. Ce sont des qualificatifs qui, n'est-ce pas, désignent les mêmes personnes. Donc, où est-ce que les salafis ont délaissé le Coran? Au contraire, ils mettent en pratique ce qui a été révélé, que ce soit dans le Coran ou la Sunna. Et c'est là ton problème. C'est là ton problème. Toi, tu ne veux pas qu'ils mettent en pratique les enseignements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui se trouvent dans les hadiths. C'est ça ton problème. Et donc, tu forges des mensonges comme ça en disant non, ils ne suivent pas le Coran. Non, ce sont des associateurs. Allah les a nommés associateurs, etc. Tout ça, sur base de quoi? De ton imagination défectueuse. Parce que tu es dans le dolal, l'égarement. Et pourtant, tu nous as expliqué, en fait, n'est-ce pas, ce qui est visé par la sunna, ce qui est rapporté dans les hadiths. Tu nous as expliqué ça tout à l'heure. Aucun salafi ou aucun parmi les gens de la sunna n'a dit que la parole d'Allah ne sert à rien. Crains Allah. Crains Allah et commence déjà à mettre en application ce qui est dans le Coran. Allah a dit wa iza qultum fa'dilu walau kana za qurba. Allah dit quoi? Wa iza qultum fa'dilu walau kana za qurba. Sourate 6 au verset 152. Et quand vous parlez, soyez équitable. Même s'il s'agit d'un proche parent. Soyez équitable. Les salafis, les gens de la sunna ont-ils dit que la parole d'Allah ne sert à rien? Allah a dit وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Sourate 5, verset 8. Allah dit et que la haine, selon une traduction rapprochée, et que la haine pour un peuple ne vous incite pas à être injuste. Pratiquez l'équité, cela est plus proche de la piété. Et craignez Allah, car Allah est certes parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Craignez Allah, car Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Pourquoi tu mens sur les salafis? Sur les gens de la sunna. Les salafis ne disent pas que la parole d'Allah ne sert à rien. Un salafi qui dit ou croit cela devient mécréant. C'est toi par contre et ta secte, c'est vous qui dites que la sunna du prophète ne sert à rien, les hadiths ne servent à rien. Ainsi, vous expliquez le Coran selon vos passions et vous mentez sur Allah. C'est ça la réalité. Quand tu dis dans les livres stupides, c'est toi qui es stupide. C'est toi qui es stupide, mais tu ne te rends pas compte. Aucun salafi n'a dit, Allah peut interdire et il y a d'autres personnes aussi qui ont le droit d'interdire dans la législation. On a déjà vu que celui qui dit tel savant a dit, lorsqu'on lui dit Allah a dit ou bien le prophète a dit, il ne veut pas dire que le savant a le droit aussi d'interdire dans la législation, qu'il a le droit de légiférer. Vous voyez, le droit de légiférer est à Allah. Toi, tu crois que les coranistes sont des musulmans, les coraniyoun là, tu crois qu'ils sont des musulmans? Ils ont renié la sunna. Ils ont mécru. Les salafis n'ont pas divisé la religion. Ce sont les innovateurs qui ont divisé la religion. Ils ont laissé la vérité, le haqq. Ce sont eux qui ont divisé. Les salafis sont restés sur ce sur quoi étaient les pieux prédécesseurs, les premiers musulmans et ceux qui les ont suivis. Vous voyez? Donc, c'est ceux-là, ceux qui se sont détachés de la vérité, ceux qui ont délaissé la vérité. Ce sont eux qui ont divisé.
Ce sont eux qui ont divisé. Tu parles des chiites, des salafis, et ta secte, les coranistes. Vous ne suivez pas le Coran en réalité. Vous prétendez suivre le Coran, mais en réalité, vous ne suivez pas le Coran. Dans le Coran, on demande de suivre le prophète. Le prophète est déjà mort. On le suit maintenant comment? À travers ces enseignements qui sont restés. Et ces enseignements-là sont où? Dans les hadiths. Qu'Allah te guide. Les salafis, les gens de la sunna, n'ont pas délaissé le Coran. Ils le suivent. Mais pas comme toi tu veux qu'ils suivent, n'est-ce pas, le Coran. Parce que toi tu veux qu'ils suivent le Coran sans les enseignements de leur prophète. Sans les enseignements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors que dans le Coran, on demande de suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Suivre les enseignements du prophète. C'est vous qui avez en réalité délaissé le Coran. Vous voyez? Parce que dans le Coran, on demande de suivre le prophète. Et vous, en réalité, vous refusez cela. Vous refusez cela en réalité. Et on a détaillé dans les fondements de la Sunna, on a montré, on a cité les preuves qui montrent l'obligation de suivre le prophète, la Sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On a mentionné les preuves là, tirées du Coran, lorsqu'on a réfuté cette secte là, donc les coranistes. Vous voyez, je crois que c'est l'audio, c'est quel audio là? L'audio 12 ou l'audio 11, je ne sais même plus. Les salafis sont ceux qui sont sur la vérité. Tu es un khariji takfiri. Et qu'est-ce que le cheikh ou l'islam, Ibn Taymiyyah, nous dit par rapport au khawarij? Il dit, dans le Majmou' al-Fatawa, au tome 3, page 355, il dit, « Fa aslu qawli l'khawarij, annahum yukaffiruna bizamb. » Ah! Les khawarij, je l'avais déjà expliqué, ils ne déclarent pas mécréants juste parce que quelqu'un a commis un grand péché, non. Ils rendent les gens mécréants parce qu'ils commettent des péchés. Même si ce n'est pas un grand péché. C'est ce qui est sahih. Ils vont au-delà. Ce n'est pas juste les grands péchés. Ils vont même au-delà. Ils font même le takfir des gens pour des choses qui ne sont même pas des péchés. Mais que eux considèrent comme étant des péchés. Que eux considèrent comme étant de la mécréance. Le cheikh al-Islam dit « وَيَعْتَقِدُونَ زَمْبًا مَا لَيْسَ بِزَمْبٍ وَيَرَوْنَ اتباع الكتاب دون السنة التي تخالف الظاهر الكتابي وإن كانت متواترة ويكفرون من خالفهم ويستحلون منه لارتداده عندهم ما لا يستحلونه من الكافر الأصلي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان ولهذا كفروا عثمان وعليا وشيعتهما وكفروا أهل الصفين. Le cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah nous dit, la base des paroles des Khawarij réside dans le fait qu'ils rendent mécréants, ils déclarent mécréants à cause des péchés. Et ils considèrent comme péché ce qui n'est pas un péché. Ils considèrent comme péché ce qui n'est pas un péché. Et ils font donc le takfir des gens comme ça. Il dit, et il voit qu'il faut suivre le Coran et non la sunna qui contredit ce qui est apparent du Coran, selon eux. Et même si cela est rapporté de manière notoire, alors qu'en réalité il n'y a pas de contradiction entre le Coran et les hadiths. Ce que toi tu vois comme contradiction là, c'est selon toi. Et j'avais déjà expliqué que ce que vous faites avec la sunna là, vous là, vous les coranistes là, ce que vous faites avec la sunna là, vous prenez des textes, parfois vous prenez ce qui est même da'if, vous voulez opposer ça à ce qui est authentique en disant, regardez, ils disent il faut suivre les hadiths, mais il y a contradiction dans les hadiths. Il n'y a pas de contradiction entre ce qui est da'if et ce qui est quoi? Sahih. Ce qui est da'if, c'est da'if. On ne travaille pas avec. On prend ce qui est sahih. Tu ne vas pas prendre ce qui est faible. Tu viens, tu dis non, ça contredit ce qui est authentique là-bas.
Donc à cause de ça, on doit délaisser les hadiths, non? Et ce qui est authentique, il n'y a pas de contradiction dans la révélation. Il n'y a pas de contradiction entre deux hadiths authentiques. Si tu vois une contradiction, c'est selon toi, c'est en apparence. Mais en réalité, il n'y a pas de contradiction dans la révélation. Et j'avais réfuté cette ambiguïté-là. Quand j'ai réfuté les coranistes dans les fondements de la sunna, j'avais expliqué que ce que vous faites, vous les coranistes-là, ce que vous faites avec les hadiths-là, les gens peuvent aussi le faire avec le Coran. Vous dites non, on suit le Coran. Ensuite, vous venez sur la sunna, vous prenez certains textes qui pour vous sont en contradiction pour rejeter la sunna. Vous dites non, regardez, il y a la contradiction dans les hadiths. Donc ça veut dire que c'est faux. Je vous dis, wallahi, ce que vous faites là, des gens peuvent aussi le faire avec le Coran. Ils peuvent vous citer des versets, ils vont vous dire, regardez, il y a une contradiction ici. Dans telle version, on a dit ça. Dans telle autre version, on a dit ça. Comment vous allez répondre? Alors qu'on sait très bien qu'il n'y a pas de contradiction dans le Coran. Celui qui voit la contradiction, c'est selon lui, selon sa compréhension. Mais si on lui explique, il va comprendre que non, il n'y a pas de contradiction. Vous voyez, c'est la même chose avec les hadiths. Toi, tu peux voir une contradiction. Celui qui a plus de science que toi va t'expliquer qu'il n'y a pas de contradiction ici. C'est toi qui comprends mal. C'est toi qui n'as pas bien compris. La même chose que vous faites là avec les hadiths, c'est-à-dire vous prenez comme argument, selon vous, il y a contradiction dans les hadiths. Donc, ça veut dire que c'est faux. OK? Ce que vous faites là, des gens peuvent aussi le faire avec le Coran. Vous n'êtes pas au courant qu'il y a des non-musulmans qui ont fait ça avec le Coran? Ils prennent des versets du Coran comme ça, ils disent non, regardez ici, il y a contradiction. Donc ça veut dire que le Coran n'est pas vrai. Dans telle version, on dit ça. Dans telle autre version, on dit ça. Et quand tu regardes en apparence, tu vas dire il y a contradiction. Mais si tu as le ilm, tu as la science, tu sais que non, il n'y a pas de contradiction. Tu connais l'explication. Vous voyez? Mais celui qui est jahil, qui ne connaît pas, lui, il va prendre ça, il va dire non, il y a contradiction. Vous voyez? Donc, la même chose que vous faites là pour rejeter les hadiths, des gens peuvent aussi le faire avec quoi? Le Coran, pour rejeter le Coran. Comment vous allez répondre? Donc, de la même manière que vous répondez là-bas en disant non, il n'y a pas contradiction, vous expliquez, c'est de cette même manière que les savants font avec les hadiths. Lorsque vous citez non, tel hadith contredit tel autre, donc ça veut dire qu'on laisse les hadiths. C'est faux. On te détend, on t'explique qu'il n'y a pas de contradiction. C'est toi qui as un problème. Vous voyez, tu vas aller prendre un texte qui est faible. Comme l'histoire, tu es venu avec ça, on va parler de ça. Tu dis non, dans le Sahih al-Bukhari, on a dit que non, le prophète voulait se suicider au début de la révélation. Parce que la révélation était quoi? Elle était interrompue. Est-ce que ça c'est authentique? Ce n'est pas authentique. Ce n'est pas authentique. Bon, maintenant toi tu prends ça pour venir attaquer la sunna. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Dans le Sahih al-Bukhari. Ah bon? C'est comme ça? Et on a parlé de ça, je crois, dans la biographie authentique du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On a parlé de ce point-là. On expliquait que cela n'est pas authentique. On dit non, le prophète voulait se suicider au début de la révélation. C'est faible, c'est da'if. C'est Zuhri qui rapporte ça. Ok? Il m'est parvenu. De qui? Ce n'est pas authentique. On a parlé de ça dans la biographie authentique du prophète. Donc cette façon de se comporter, cette méthodologie-là, elle est complètement caduque. Je vous assure, ce que vous faites là, au sujet de la sunna, des gens peuvent faire la même chose au sujet du Coran. Je vous le dis. Donc on revient sur les propos du Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Il nous dit ici, et il voit qu'il faut suivre le Coran et non la sunna qui contredit ce qui est apparent du Coran. Et même si cela est rapporté de manière notoire, ils rendent aussi mécréants ceux qui les contredisent. C'est ça. Tu es en train de faire le takfir des gens parce qu'ils ne sont pas d'accord avec toi. On te dit il faut suivre la sunna. Tu dis non. Vous êtes des mécréants, des associateurs, vous associez à Allah, etc., etc. Tout ceci à cause de quoi? De ton jahl et du suivi de la passion. Le Cheikh al-Islam dit, ils rendent aussi mécréants ceux qui les contredisent. Ils rendent licites à leur sujet à cause de leur apostasie selon eux. Donc eux, ils pensent qu'ils ont apostasié. Il dit, ils rendent licites à leur sujet à cause de leur apostasie selon eux, ce qu'ils ne rendent même pas licite concernant le mécréant de base. Comme le prophète a dit,
Il tue les musulmans et délaisse les adorateurs des idoles. C'est pour cela qu'ils ont rendu Othman mécréant, de même Ali, ainsi que leur groupe. Ils ont aussi rendu mécréant, déclaré mécréant, les gens de ce fait. Ça, c'est dans le Majmou' au Fatawa, au tome 3, à la page 355. Lorsque le Cheikh al-Islam était en train de parler des Khawarij. Vous voyez. Bref, on va s'arrêter ici. Je considère cette première intervention comme étant une introduction en réalité. Le prochain audio, on va réfuter certaines, n'est-ce pas, certaines de ces ambiguïtés, donc les ambiguïtés de Jeff J. 223. On s'arrête ici, qu'Allah nous facilite, qu'il nous accorde la compréhension de sa religion. Wa subhanakallahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.